C'est dur à évaluer, je pense que c'est vraiment comme la performance. On a eu plus, on a eu 3 blessures sur les lignes offensives, on a eu 2 gardes qui sont blessés, ça a fait 3 changements sur les lignes offensives qui n'ont pas aidé. En général, ce n'est pas à la hauteur de notre équipe. On quand même va faire que. Oui, chapeau à McGill. Il a joué beaucoup de caractère, beaucoup d'intensité. Et il y a plus de crédit qui revient à McGill aussi. Là. Glenn, aujourd'hui, bon, ta défensive n'a accordé que 4 points. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'élément positif aujourd'hui? Je pense que, écoute, mais on a donné beaucoup de verges, beaucoup de premiers essais aussi. On a converti sur le deuxième essai une couple de fois que c'est pas notre image. En général, ils ont joué encore un bon match. Donc, Arnaud, on t'a vu assez vocal sur le banc. Il y a des choses qui n'allaient pas à votre goût, évidemment. Non, c'est une contre-performance. Ça n'arrivera plus. On ne sait pas ce qui est arrivé. Ça ne peut plus arriver à Laval. Disons, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais vous allez devoir le trouver. C'est de quelle façon on peut remédier à tout ça? Juste travailler plus fort en pratique. Merci Arnaud. Plaisir. Bruno, ça n'a pas été un match, à l'image que vous vouliez avoir? Hein? Non, c'est sûr que non. Je pense qu'on va être satisfait de ça. Écoute, je pense que ça a mis de prendre le blanc. Je pense que là-dessus, les gars ne sont pas sortis. Je pense qu'on a trop... Je pense jouer à leur niveau. On n'a pas joué à niveau Laval. Puis, écoute, là, c'est insatisfaisant pour nous. C'est difficile aussi de partir des bonnes poussées offensives lorsqu'on prend toujours le ballon à pratiquement notre ligne des buts aussi. C'est des éléments qui n'aident pas non plus. Ah, c'est sûr qu'il y avait quelques positions de terrain qui étaient difficiles, mais écoute, c'est quand même notre travail, je pense, à l'offensive de pouvoir sortir le ballon de là. Donc, encore une fois, je pense que c'est à nous de travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous a dit après le match à brûle-pourpoint comme ça? Je sais qu'on va faire un débriefing par la suite, là, mais... Ouais, je pense
la manière que tu t'affrontes une équipe, je pense que n'importe quelle, je pense que tu joues à ton niveau, tu peux pas jouer au niveau de l'autre équipe, puis c'est en plein ce qui s'est passé, puis c'est dans ce temps-là qu'arrivent des matchs ordinaires comme ça. Merci. Joe, tu es un des leaders de cette équipe-là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça débloque, que ça se passe mieux pour les prochains matchs? Écoute, je pense que ça commence dans les pratiques, ça commence dans l'exécution dans les pratiques. Puis c'est de mettre notre tête dans le football en ce moment, c'est d'exécuter. L'exécution n'est pas là, fait que ça fait en sorte qu'on ne joue pas à notre niveau. Peut-être un manque d'effort. Ça, je ne suis pas prêt à dire ça. Je pense qu'on travaille quand même fort. C'est juste, je pense, un manque d'exécution et un manque de focus. Puis on se laisse peut-être aller à certains moments, puis c'est ça le problème. Puis à ce moment, on va serrer la vis. Puis je venais plus fort. Là. Je vais d'un côté un peu plus personnel, puis je sais que vous aimez peut-être pas ça, mais ça a quand même été un bon match pour toi aujourd'hui. Ouais, c'était correct. Écoute, j'ai eu des chances de faire des jeux. T'sais, je veux dire, Fredo a fait un beau jeu sur ma première interception, puis sa deuxième interception, écoute, ils ont lancé la balle deep, puis j'étais allé la chercher. Fait, c'est pas les plus bonnes interceptions, non, mais les jeux ont été là, je les ai faits, puis je suis content. Mais sinon, en tant qu'équipe, ça reste que je suis pas content. Là. Donc là, on se retrouve sur les manches, puis on revient travailler dès demain matin. Écoute, on a deux gros prochains matchs. On rencontre Concordia la semaine prochaine. Après ça, c'est Montréal à Montréal. Fait que comme équipe, là, regarde, on se retrousse les manches, comme tu dis, puis on met la main à la porte. Merci, Joe. Merci.